cœur du sud-ouest, au pied des montagnes des Pyrénées, est prélevé dans l'eau des sources salées le sel de salice de Béarn. Il est ensuite exploité de mai à octobre aux salines de salice de Béarn. Dans un premier temps, l'eau de source est stockée pendant un mois dans des bassins de décantation. Ensuite, l'eau décantée est transférée dans des poêles à sel où elle est chauffée à 83 degrés à l'aide de thermoplongeurs pour que l'eau s'évapore. Sous l'effet de l'évaporation, le sel cristallise naturellement. Les cristaux de sel gros s'accumulent au fond de la poêle à sel, tandis que la fleur de sel se forme à la surface. Celle-ci est récoltée à l'épuisette. Le sel gros est pêché tous les jours à l'aide d'un boudet suspendu à une grue. Le sel est ensuite égoutté dans un entonnoir avant d'être stocké, pour sécher pendant plusieurs mois. Il peut alors être conditionné pour la commercialisation. Le sel de salice est le seul à répondre à l'IGP du jambon de Bayonne. On l'utilise pour son salage. Une fois prêt, il ne reste plus qu'à le déguster.